Bonjour, je suis Mathieu Vénis, passionné de développement personnel depuis 10 ans et le créateur du site internet penseretagir.fr. Bienvenue dans ce troisième épisode du festival 5 jours pour changer où nous allons voir l'importance de la première action. Et oui, comme disait le philosophe Lao Tzu, dans chaque grand voyage, il y a un premier pas à effectuer. Cette première action est primordiale pour la réussite de tous vos projets. Et je vais vous donner un exercice simple à faire aujourd'hui. Si vous avez envie de recontacter une personne, si vous avez envie de contacter une star, une personnalité connue, si vous avez envie de contacter cette personne que vous voyez tous les matins à l'arrêt de bus ou tous les jours à votre bureau, eh bien vous allez faire cette première action dès demain. Et qu'est-ce que c'est qu'une première action? Eh bien, c'est extrêmement simple. Ça peut être le simple envoi d'un mail. Si vous voulez rencontrer une personnalité, vous rêvez de rencontrer une personnalité, envoyez un mail. Ça coûte rien, c'est facile. Vous rédigez votre mail en 2 minutes, vous envoyez le mail et c'est la première action. Si vous avez envie de revoir une personne à qui vous n'avez pas parlé depuis longtemps, si ça vous traumatise, si ça vous empêche de bien vivre, ou tout simplement de recontacter une personne parce que voilà, c'est une amie d'enfance et ça ne vous empêche pas forcément de vivre, mais vous avez envie de la revoir, eh bien passez à l'action et passez ce coup de téléphone. Passez un coup de téléphone, pareil, ça prend 2 minutes, 5 minutes et vous allez voir que ça va aller tout seul. Et enfin, si vous avez envie de rencontrer une personne, vous baladez dans la rue, vous voyez une personne, ou alors tous les matins à l'arrêt de bus, vous voyez la même personne et vous avez envie de la rencontrer, eh bien dès demain, allez lui parler, allez la voir en lui disant tout simplement, eh bien écoute, tous les matins, on prend le même bus, on se retrouve tous les matins au même arrêt de bus. C'est pas super sympa d'attendre le bus, ça aurait pu être sympa de faire connaissance. Et au moins, vous verrez, vous n'attendrez pas, vous n'aurez pas de regrets, vous serez passé à l'action. C'est vraiment le premier pas, c'est hyper important. Donc dès demain, vous allez passer à l'action et vous allez faire ce premier pas. Et n'oubliez jamais que pour tout grand projet, pour chaque grand chemin, il y a un premier pas. Alors faites-le maintenant.